Bah, écoutez, difficile, c'est très déçu. On voulait confirmer encore ce week-end sur la bonne dynamique. Après, on savait que ça allait être difficile et Reims nous ont posé des problèmes cet après-midi. Est-ce qu'il y a le système tactique qui a changé? Vous êtes passé en 4-3 cet après-midi, ça a aussi été compliqué pour vous à appréhender en jeu? Oui, après, il faut juste, on va dire, se parler. C'est pas, on a déjà vu dans ce système-là, à un moment donné aussi, contre Angers. Pendant le match, on a changé. Après, ouais, c'est sûr que ça change. Après, c'est individuellement, faut être plus fort et beaucoup se parler pour aider l'équipe, la défense et surtout aussi devant, se procurer beaucoup plus d'occasions. Finalement, ça n'a pas été exceptionnel, mais vous êtes fait punir sur vos erreurs, quoi. Des erreurs de relance, de placement, c'est sur ça qu'ils ont réussi à jouer la faillite. Oui, ils n'étaient pas très dangereux. Je pense que là, ils ont eu de la chance cet après-midi sur à l'image du dernier but. Après, c'est le football, c'est comme ça. Faut pas qu'on baisse la tête et travailler pour la réception de 3. Ça vous donne un petit sentiment de gâchis parce que la semaine est quand même bonne, 6 points sur 9. Voilà, ça vous donne un petit sentiment amer finalement de terminer comme ça alors qu'il y a peut-être la place pour au moins prendre un point. Bah évidemment, on voulait terminer cette semaine en beauté et avec les 9 points sur 9. Donc c'est pour ça que j'ai dit on était très déçus après le match. Mais après c'est comme ça, faut lever la tête et travailler parce que le plus important maintenant c'est 3 et prendre des points avant la trêve. Est-ce qu'il y a eu une petite coupure de courant là, après 1 heure de jeu, on a senti une équipe qui avait peut-être un petit contre-coup physique? C'était dur physiquement ou pas spécialement? Non, pas spécialement. C'était un match assez spécial. C'était pas. Les deux équipes se regardaient. Après, on a réussi à revenir au score avec Simon. Donc on aurait dû être plus solide défensivement pour les faire douter. Et après, essayer de marquer ce deuxième but. Mais ils ont marqué aussi directement au cours du jeu. Donc c'était assez compliqué. Comment tu expliques? Tu disais Ludo, les deux équipes sont arrivées. Comment tu expliques cet attentisme-là chez vous, alors que vous ne l'aviez pas montré contre Angers ou contre Brest en milieu de semaine? Bah, ils ont un dispositif assez compliqué à analyser. C'est bizarre. Après, nous, on n'a pas joué dans la même configuration que les semaines précédentes. Donc aussi, c'était un match différent. Donc tout simplement. Et puis c'est comme ça. Hein. On a bien vu. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions au début du match, ni en première mi-temps. Donc c'était un match assez un match endormi et fallait pas tomber dans le piège. Malheureusement, on est tombé dedans. On a vu peut-être un peu moins fringant, notamment devant, mais pas seulement, dans les transmissions, dans les passes, dans les courses, les appels aussi. Comment tu analyses ça et comment tu peux l'expliquer, toi, qui es sur le pelouse? Ouais, bah, je trouve qu'en fait, on était un peu esseulés devant. On regardait trop Simon déborder, on laissait Randall se battre tout seul devant. Donc c'était assez compliqué. Faut réussir à accompagner nos attaquants devant pour les aider parce que avec une défense à 5, les laisser tout seul devant, c'est difficile. Et donc c'est ce qu'il faut travailler et puis pour que ça marche contre 3, tout simplement. C'est des choses à améliorer, il faut s'en servir pour ne plus les faire, tout simplement. On avait l'impression que vous manquiez parfois dans ce dispositif d'un peu de profondeur, justement, pour vous suivre un peu comme vous avez su faire contre Angers ou contre Brest. Oui, bah, y a moins de poids devant, parce que Randall se retrouve tout seul contre 3. Donc c'est compliqué. Après, c'est comme j'ai dit, c'est à nous d'accompagner. On sait très bien qu'on est plus au milieu avec les 3, donc c'est quelque chose de différent. Donc faut s'aider, faut parler entre nous. Et c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a changé de dispositif que c'est à cause de ça. C'est à cause de nous. On sait pas parler. On sait faire des. On sait jouer comme ça. On l'a montré aussi à Angers parce qu'on a
on a fait, on va dire, toute la deuxième mi-temps comme ça. Donc c'est nous, c'est de notre faute et c'est à corriger parce que les points avant la trêve vont être importants. Bah après ça c'est je sais pas du tout mais je pense pas que ça soit physiquement parce que on est hâte pour faire pour enchaîner les matchs. C'est pas toute l'année qu'on enchaîne tous les matchs donc dans cette période là on doit répondre présent et je pense que c'est pas là-dessus. C'est autre chose, on va refaire, le coach va nous dire ce qui a manqué pendant ce match et on va écouter, on va travailler et puis on va faire en sorte de pas refaire le même match pour grappiller des points, parce qu'avec cette équipe, il faut prendre des points. Oui, bah, c'est ça, c'est des fautes d'inattention. Après, c'est un corner, après, c'est une frappe contrée. Et après, c'est un manque de concentration, tout simplement. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui, un manque de concentration. Et on s'est fait punir par cette équipe de Reims. Ouais, c'est mon genre. Ouais.